If you can help me get the book of Joshua, si tu veux me trouver le livre de Joshua, chapitre 6. Le livre de Joshua, chapitre 6. À partir de... Si tu trouves chapitre 6. Le livre de Joshua. Tu vois, plupart des gens, les gens peuvent discuter des fois que est-ce que le livre que le pasteur lit là, pourquoi le pasteur il lit ça qui n'est pas dans la Bible, oh, je ne crois pas. Et some people can say, ah, why pastor is reading this book of Joshua that is not the Bible, it's not among the Bible, not supposed to be reading it. The pastor have gone this way, pastor il est déjà maintenant, il est déjà une sorte, il a etc. Quand vous avez de chercher quelqu'un, va dans le livre de Joshua. As you are searching the script of the book of Joshua, chapter 5, le livre de Joshua, chapitre 5, excuse-moi, avant chapitre 6, va dans le chapitre 5. Et quelqu'un aide-moi, aller dans le livre de... même chapitre 6, chapitre 7, on va... Chapitre 5, chapitre 6, tout ça que vous trouvez, il n'y a pas de problème. Hein? Have you found it? Comment ça s'écrit? Joshua, je ne sais pas comment ça s'écrit en français. Joshua, J-A-S-H-E-R. That's why I say somebody, first of all, go to book of Joshua. Joshua, chapitre 10. Vous trouvez comment s'écrit en français? Allez dans le livre de Joshua. Allez dans le livre de Joshua, chapitre 10, à partir de 12 et 13. Quelqu'un regarde. To know how it's written in French, Joshua. Pour connaître comment c'est écrit en français, va dans le livre de, si vous pouvez prendre ta Bible, regardez le livre de Joshua, chapitre 10, 12 et 13. Aide-moi à lire, si tu es là-bas. Help me read that book of Joshua, chapter 10, verse 12 to 13. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les... When you want to get it, you write the book of Joshua chapter. You must put it chapter. See, don't just enter it and say, yeah, Joshua. Si vous voulez trouver le livre de Joshua, vous devez écrire le livre de Joshua, chapitre, vous devez mettre chapitre. Allez-y. Aux Israélites, et il dit devant Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juge, Lisa, regarde. Le soleil... J-A-S-H-E-R. Juste, le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de coucher durant presque tout un jour. Verset 14. Il n'y aura pas eu de jour comme celui-là. Il y aura les Amorites. Je suis là, je vous invite à apprendre les choses. Apprends ça, vous connaissez ça. C'est pas que demain, quelqu'un va vous dire, vous lisez ce qui n'est pas dans la Bible. C'est vous maintenant qui va demander la personne qui est. C'est dans la Bible, mais pourquoi ils ont élevé cette livre dans la Bible? Aide-moi à lire. Josué adressa une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. Il s'écria, soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur le val d'Ayalon. The name is written in 13, le 13. Verset 13. Le Seigneur s'arrêta
et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que le peuple d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis, comme il est écrit dans le livre du juste. Le Seigneur, c'est écrit dans le livre de qui? Juste. Et ça, c'est ça en français, c'est tout. Donc, tu vas maintenant chercher écrit pour toi dans le téléphone le livre de juste, comme c'est écrit là-bas. Tu vas trouver ça. Now, you English person, also put something in the. Put this. Put this. I is telling you and I. This information that I'm saying, is it not written in the book of Joshua? That's what we want to get. You go to Samuel also. You go to Samuel also. Samuel also was recording there. The same thing also in Samuel, in 2 Samuel chapter 1, verse 18. Va aussi dans le livre de premier de Samuel. Dans le livre de premier de Samuel, chapitre 1, verse 18. Go also in the 2 Samuel chapter 1, verse 18. 2 Samuel chapitre 1, verset 18. Il ordonna de l'enseigner aux habitants de Juda. C'est la complainte de l'arc. La voici. Telle qu'on la trouve dans le livre du juste. Ça aussi, c'est trouvé où? Dans le livre du juste. C'est le même, la façon d'écrire ça, c'est la même chose. C'est la même chose qu'il s'écrit aussi dans le Josué que tu as lu. Va chercher. As the book of 2 Samuel also chapter 1 verse 18. Samuel also saying his own and say, is it not also written in the book of Joshua? So it is you now that will now say, so there is a book that's called the book of Joshua in the Bible. Where is that book? Where do they take that book to? Where is that book? What happened to that book? So you will see this. We did the message that said, fake women among us, fake women. The Babylon remove everything, so that you will never understand what is really happening. You will never understand what is really happening. His English is Jasha, J-A-S-H-E-R. The book of Jasha. The book of Jasha. If you want to find it in your Google, in your phone, you write the book of Joshua chapter 6. Now you can now go down. We'll get the information in verse. There's something I want us to read there from verse 16. Maintenant, si tu voulais maintenant trouver maintenant. Tu rends dans ton Google, tu écris le livre de justice. C'est ça, non? C'est justice. Oui, c'est le livre de justice, chapitre. Il faut mettre chapitre. Si tu n'es pas mis chapitre, il va, même ici, il sort le numéro. Tape cet numéro. Mais c'est le chapitre 6. Si, même ici, il écrit le livre de Jupe 6. Le livre de Juste 6. Tu tapes cette 6. Maintenant, tu vas maintenant aller chercher verset 16. C'est le verset 16 que je voulais lire à partir de verset 16. À partir de verset 16. Now, we want to read. From verse 16, we want to read. And it read me from verse 16. And all the sons of men that were left upon the earth became exhausted throughout heaven and account of rain, for the waters will come more violently upon the earth. Okay. Go to see if you can find verse chapter 5. Chapter 5. Voir si tu peux voir le chapitre 5. Chapitre 5. Tu peux retourner mais chercher chapitre 5. If you can go back and look for chapter 5. Mm-hmm.
can go back and get chapter 5. Did you get it? Get chapter 5? Okay, read from me from verse 6. Si tu as trouvé chapitre 5, lis à partir de 6. And after the lapse of many years, in the 418th year of the life of Noah, was those men who followed the world and led away from amongst the sons of men. Mm-hmm. And only Methuselah was then left. All these years, if you read it from verse 1, si tu lis à partir de verse 1, the chapter 5, that's chapter 5, if you read from verse 1, you will see the Bible gave record of every man on that, right from Adam, that followed the ways of God. God keep them. God guide them. They all live a correct and a long time, and God took them away before he destroyed the flood, because he have already told Enoch, and he have already spoken of what he's going to do, how he's going to destroy the earth because it has been corrupted. So that's what he's saying there. Qu'est-ce qu'il a dit de parler là-bas? Si tu lis à partir de verse 1, de chapitre 5, le livre de Joshua, je vous dis de lire Joshua pour savoir que tout ce livre s'est retiré dans la Bible. I ask you to read the book of Joshua and book of 2 Samuel to see that these books are in the Bible. They remove it. So if Bible have record of it, why is it not found there? That's why also Jude, also last time I asked her to read the book of Jude 1:14 and 15 to see about Enoch also. So they took it out from, they took all these books that clearly explain things to us, give record, pure record of the things they cut and put in the Bible for us. In the Holy Bible. So we thank God for everything. God is a mighty God. Our Elohim, Yahuwah, Yeshua, Amashiach, is the one that moving at this last day to open the eyes of his children to know the truth. They remercie Yeshua, Amashiach, not to Dio, not to Père, not to Yahuwah, qui a été de nous ouvrir les yeux cet dernier jour pour nous montrer tout ça qui a passé, comment ils ont triché et tout ça qui a passé. C'est que ton nom soit glorifié. Tout la Bible, la dernière fois, j'ai voulu lire le livre de Jude 1, 14, pour voir aussi l'affaire de. Pour savoir que Enoch aussi, il a le livre, qu'ils sont aussi retirés dans la Bible. Que le nom de notre Père soit glorifié pour toute cette révélation. Donc, qu'est-ce que je vais faire sortir là? Continue. Go on. Après la mort, tout ce qui a servi Dieu dans l'esprit, dans la vérité, depuis Adam, quand Dieu il a pris un par un avant la déluge. C'est ça qu'il a expliqué dans le verset 6. Maintenant, continue après ça. Go on now, after verse 6, after he took them, what happened? God speak unto Noah and Methuselah. Le Seigneur maintenant, il a pris, il reste parmi de tout ce qui a été sous Dieu, il reste Methuselah avec Noah. Dieu maintenant, il a donné un message. Qu'est-ce que cet message? God now give Methuselah and that's why, you know, if you read in the Bible there, they used to say Bible here, our Bible do not even give record of Methuselah that he lived also a righteous life. All we just used to hear that he had a carry age. You see the wickedness of what they did. Why Methuselah was also a good evangelist? Walk with Noah to evangelize to the world to repent. He was holy. He lived a righteous life also. Pour vous savoir, je m'en sors que tout ça qui sont mis dans la Bible, dans votre Bible là, dans notre Bible là, c'est pas écrit dit donc que Methuselah il a marché avec Dieu. Ils sont seulement mis là-bas que Methuselah il a seulement âge, le plus âge dans la Bible, c'est Methuselah. Notre Bible là n'est pas parlé que Methuselah il était évangéliste, un évangéliste, il a travaillé avec Noé pour évangéliser, pour dire les gens, repentez-vous, il y a la destruction qui vient, il y a le déluge, Dieu va détruire ce monde.
The Bible did not make it, put it like that, as Methuselah got that age because of his righteousness life with God. That's why he got that age. Methuselah, il a trouvé cet âge, parce que lui aussi, il a marché dans la justice pour avec le Seigneur. Le 2, ils ont commencé d'évangéliser. The 2 begin to, they receive this message from the Lord. What is the message? Ils ont reçu cet message dans le Seigneur. Qu'est-ce que cet message? Allez-y. Speaking and proclaim to... This is what the Lord is telling them now. C'est ça que le Seigneur a dit de leur dire maintenant. Va vous, allez dire le monde. And proclaim to the son of man. To the son of man. Saying. Thus says the Lord. Return from your evil ways, this wicked world. And forsake all your evil, wicked men of this planet. And the Lord will repent of the evil that he declared to you. And the Lord will repent, you see, the Lord will repent from the evil he has declared unto you. So, because if you read in the book of Jubilee there, the Lord told Gabriel to go and tell Noah, prepare your way and go to destroy this world. You see now? So the Lord have taken decision to destroy this world. And that's how it is also in this our generation. He have taken decision to wipe this world off. And we are today also crying unto them, crying to our brothers and sisters, crying to our family members, crying to every one of them, come out from your evil way, come out from religion, come out from lying church, come out from that pastor, come out from that GO, come out from my papa, come out and follow Yahuwah, Yeshua, Hamashiach in a righteous and holy way. We are going to see what he said. Vous avez vu, il a dit, le Seigneur, il a donné cette message, c'est quoi? Mais tout cela avec Noé, va aller vous annoncer à le peuple de ce monde, ou même de ce monde, méchants qu'ils sont, et ils doivent repentir et quitter dans leurs péchés, retourner à le Seigneur. Sinon, je vais vous détruire. Si vous pouvez retourner, je vais repentir. Moi, Dieu, je vais repentir sur ça que je voulais faire contre vous, comme aujourd'hui, comme cette génération aussi, que le Seigneur est en train de crier, toi et moi, on est en train de crier, la famille ne voulait pas repentir, et les parents ne voulaient pas repentir, les enfants ne voulaient pas repentir, et le frère et soeur ne voulaient pas repentir. Au lieu de repentir, ils sont en train de nous critiquer et dire n'importe quoi. C'est la même chose, c'est pour ça que le Seigneur il a dit quoi? Dans le Matthieu 24, 25, il dit, comme le jour de Noé. Ça te clarifie. J'ai un message pour ça. Qu'il va donner pour ça. That's why the Lord says to you that you are hearing me. That's why he cried and said in Matthew 24. As he said, as it was in the day of Noah. So that's why you have to find out. You have to dig deep. You have to ask your pastor what happened in the day of Noah. Is bringing it out. They remove all these things in the Bible. So that you and I will never take our salvation serious. The Lord, our God, our Yeshua HaMashiach, hates sin. Hates iniquity. And when he says, I will destroy, he will destroy. C'est pour cela qu'ils sont tous, ils sont enlevés tous ces livres dans notre Bible. Qu'on ne peut pas comprendre que notre Yeshua HaMashiach, notre Yahweh, il déteste le péché. Il ne met pas le péché. Quand il dit que je vais détruire, il va détruire. Quand il dit que je vais tuer, il va tuer. Quand il dit qu'il va déchirer, il va déchirer. Quelqu'un ne doit pas. Il dit, Jésus lit que Jésus, depuis au commencement jusqu'à maintenant, je ne change pas. That's what he said. Il said, I am he who that I am from the beginning till now. I never change. Hallelujah. Go on.
so that it shall not come to pass. Uh-huh. So that what he want to do will not come to pass. If you and I, if our brothers and sisters, if you that are hearing this message will repent and come back. Come, if your pastor will preach the truth to and bring you all back to holiness and righteousness. But they will not. You see what he said there. See, il dit, retourner, comme ça je vais changer mon plan et ma colère sous eux. Je vais retirer ça. Hein? Allez-y. Verse 8, nous sommes dans le verse 8 maintenant. Hein? For thus says the Lord. Behold, I give you a period of 120 years. And that is it. You see now, in our Bible, is it written that it is 120 years? It's not written there. God gave them Yahuwah, Yeshua, HaMashiach. Our Yahuwah gave them, Elohim gave them 120 years. And that is exactly what Noah preached that gospel for. He preached it for 120 years. 12, you know. Don't leave the Jasha. Okay. Le 120 ans. 120 ans, on a dit, c'est où dans ta Bible là-bas? Il n'y a pas, ils sont retirés tout. Mais dans le livre de Jasha, même dans le livre de Maccabée, même dans le livre de Jubilé, il écrit, le Seigneur, il a dit, Noé, avec mais tout cela, va leur dire que je leur donnais 120 ans pour la repentance. Comme aussi que nous sommes là, le Seigneur Yeshua aussi il a dit, qu'est-ce qu'il a dit aussi, il a dit dans deux jours, dans 2 jours, je vais retourner. Qui signifie 2000 ans. That's why also in this our own time also, the Lord our Yeshua Messiah also told that Samaritan, he said, in 2 days I will return back. In 2 days, which is 2,000 years, which is where we are going. God is a record keeper. God is a record keeper. Comme il a dit, Jésus-Christ aussi, Yeshua Amasia, il a dit aussi dans le parabole des Samaritains. Il a dit, le bon Samaritain, il dit, garde-moi cette mission dans 2 jours, je vais retourner. Qui est aussi un prophétique. J'ai entendu écouter quelque chose. Dans la calculation de calendrier de Dieu, de Hébreux qu'il nous a donné, ils ont dit que c'est l'année prochaine qui va compléter 2000 ans. On doit faire très attention. Et regarde tout ça qui a été passé. Le livre de la prophétie et la Bible a été complétée. Est-ce que tout ça qui va passer maintenant, à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine? Est-ce que tu peux connaître ça qui peut passer? Est-ce que tu peux connaître ça qui peut passer? Dans un seconde maintenant, le monde a été déchiré et renversé par satanique. I was studying something and I see that the calendar, the true Hebrew calendar. That last year is going to by the study and calculation, by next year is going to be 2,000 years of it. Not those one people have been calculating. And when you look at exactly what is happening now, that can happen, is that to see how the world is right now. And that is not to see how the biblical prophecies are happening, are completing and happening very fast. Nobody knows what can happen in the next seconds or minutes. And people are saying no. Continue. Allez-y, lis. You are in verse 8. If you return to me and forsake your evil. Nous sommes dans le verse 8. Then I also turn away from the evil which I told you. And it shall not exist. Said the Lord. Okay. Si vous voulez retourner à moi, je veux aussi repentir dans ça que je voulais le mal que je voulais faire contre vous. Verse 9. And Noah and Methuselah spoke all the words of the Lord. Et Noé avec Methuselah commence à évangéliser et en continuant de leur dire tout ça que le Seigneur il a dit.
hein? The descent of men. Oh, men, de cette terre. Day after day, constantly speaking to them. Jour après jour, ils sont continuels d'évangéliser et leur dire la vérité. Qu'est-ce qui est leur réponse? What is their response? C'est ça que je voulais prendre. C'est un message que je vais faire après. It's a message I will do after. What I want to get there, because today we are dealing with a divine physician. We are dealing with a divine physician. Parce que, pourquoi Dieu a touché ça? Parce que aujourd'hui, là, nous sommes dans le physicien divin, médecin divin, la guérison divine qui guérit, le médecin qui guérit. Allez-y. Verse 10. But the sons of men. But the sons of men. Would not hearken to them. We don't hearken to them. Not incline their ears to them. They don't even incline their ear to their words. Le fils de l'homme de cette terre, il n'est jamais écouté ça qu'ils sont en train de dire, ni, il n'est jamais accepté, ni écouté même, qui est en train de passer aujourd'hui. Combien dans ta famille qui a écouté l'évangile de la vérité là? Combien de ta famille qui a accepté la vérité là? Ils sont tous refusés, comme le jour de Noé. C'est la parole de Yeshua à Amasia. Comme le jour de Noé. Cet message que le Seigneur m'a donné, c'est comme le jour de Noé. Bientôt, par la grâce de Dieu, peut-être après notre délivrance de 7 mois, ça va venir. That message the Lord gave me, the title is like the day of Noah. The day of Noah is coming. Maybe after our next weekend deliverance, it will come. Allez-y. Go on. And they were stiff-necked. They were stiff-necked. Ils sont très, très têtus. Jusqu'à aujourd'hui, quand le Seigneur il parle, Yeshua Amasia il dit, comme le jour de Noé. Comme le jour de Noé. C'est comme ça que cette génération sera aussi. Mon avenir aussi sera comme le jour de Noé. Ta famille. Et toi-même qui as dû écouter tout le message là tout le temps, comment tu as fait ta vie? On te dit Dieu, c'est Dieu de l'amour, non? Tu as vu ça, tu as vu ta parole, tu as vu sa parole. Le même évangile, c'est pour cela que cet évangile, c'est jusqu'à aujourd'hui. Cet évangile, c'est encore jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est cet évangile. Oh, today, that gospel is still today. That's why that gospel is still today. That gospel that the Lord started preaching from the beginning, from the time of Adam and Eve, is still preaching it today. Today, they tell you that grace have covered them, no? Love have covered them, no? Everything have covered them, no? God is God of love. He said, I am he that I changed not. On vous dit, on vous prêchait et dit dans votre église, l'amour de Dieu vous couvre. Nous, vous êtes maintenant dans le temps de l'amour, le temps de grâce, le temps de faire n'importe comment. Et alors que la Bible qu'on a en train de lire là, tout ça qu'ils sont, ils sont élevés, les gens, les méchants de ce monde, les Babyloniens, ils sont élevés tout, que vous ne pouvez pas comprendre que Dieu ne change pas. La même, il est Dieu. Puis, c'est lui qu'il est. Il dit Moïse, dis-le que Jésus, lui que Jésus, Dieu ne change pas. Repentez-vous pour éviter la destruction qui a déjà marqué et déclaré dans la Bible. On a dit de prophétiser ça, c'est pour cela que la guérison ne vient pas. C'est pas ça qu'il a dit dans le Jérémie. Pourquoi mon peuple ne reçoit pas la guérison? Pourquoi il y a maladie partout? Pourquoi tout le monde, c'est pharmacie, merci. Malgré tout le médecin qui est rempli dans le pays civilisé et tout le pharmacie, maladie, ça continue de augmenter. Pourquoi, mon people, les filles, Isaïe ne guérit pas. Divorce,
fornication, adultère. Contrôle de augmenter. Pourquoi? Parce que vous refusez de retourner dans le Seigneur, dans l'esprit, dans la vérité. You see it? So that is why we are saying it, we are announcing it. He said they are stiff-necked, they are stubborn. That generation, that TD generation. The Bible says, Genesis chapter 6, and the whole world is corrupted. You see it? That corruption going on now very deeply. La Bible dit dans le Genèse 6, il dit, c'est ça qu'on a trouvé seulement là-bas, mais quand tu vas dans le livre de Jubilé, et même le livre de Jasia, il va te bien expliquer ça. Il dit, tout le monde était corrompu, le monde était corrompu. Corrompu, tout se corrompu, il n'y a pas. Il y a que Dieu l'a trouvé seulement Noé et même dans le livre de Jasia, là, tu lis, à partir de chapitre 4, tu vas voir tout ça qui a passé. You will see it in this book of Joshua. You will see it there. From chapter 4, you will see how the whole world was corrupted. You will see everything. From chapter 1, you will see the history of everything started this world. Le livre de Joshua, à partir de chapitre 1, tu vas voir tout, comment tout était bien commencé. Tu vas connaître la Bible bien si tu étudies tout ce livre. If you read this book, this Bible, this Joshua from chapter 1, you will understand the Bible now very well. The Bible, your eyes will be clear. You will understand it very well. Que Dieu soit glorifié. May God be glorified. So now, people refuse to repent. The same thing to today. Why? In the book of Jeremiah, we took Jeremiah 8. 20 to 22, he said, why the daughters of my people are not receiving their healing? Is there no balm of Gilead here? Is there no physician? Our message today is divine physician. Divine physician. Why are the people not receiving their healing? Why is everywhere sick? Why the women everywhere divorce is one reading now. Fornication, immorality, adultery. Single woman, but you can't be single woman, but you're having child every year. You have new child, you have new baby every year. You have new baby so that you can be, you are, the government will be giving you money, but you are committing adultery everywhere. Femme isolée, tout le temps, mes filles s'appellent femme isolée. Ils sont isolés, mais ils sont tous des enfants. Chaque année, bébé. Chaque année, bébé. Mais ils sont tous dans l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui va crier comme Joshua et comme Noé et mettre cela. Tous les pasteurs a devenir sataniques. All their pastors become satanic. No message of truth. They will be doing deliverance without holiness. They said they are doing deliverance. They said they are breaking yoke. They said they are breaking this one without telling them the truth. All Mami Water, Jezebel, they will carry come to church. They will ask them to cover it. You cover it. If I don't see it, God is God not seeing it. He said His eyes that see all things. His eyes run through our flow. So if you cover it for me, if you tie your fake ear, if you tie your wig, if you tie your earring, if you put it this, so that eye that run through and flow is not seeing it. Is it possible that will deliver you? You people are deceiving yourself. That's why Jeremiah 8. 2022. That's why I said that balm of Gilead, that divine physician, will not locate you. Even though if you receive miracle, it will not last. Because you people are being deceived.
Tu as vu, non? Il dit dans le livre de Jérémie 8, 20, 22, pourquoi mon peuple ne reçoit pas? Est-ce qu'il n'y a pas bombe de Galad ici? Est-ce qu'il n'y a pas de physiciens ici? Pourquoi mon peuple ne reçoit pas les délivrances? Pourquoi mon peuple ne reçoit pas les guérisons? Pourquoi les filles de Sion a devenu comme ça? Pourquoi? Parce que quoi? Vous refusez la vérité. Le message, le même évangile que le Seigneur a donné, hein, mais tout cela est Noé, que nous on a été prêché jusqu'à aujourd'hui. Vous refusez, votre pasteur, votre église a modifié tout. On vous dit, vous pouvez porter votre Jézabel, votre faux chevet, et vous cacher ça avec votre foulard. Et vous pouvez mettre votre boucle de soleil dans votre porte et vous venez chercher la délivrance. Qui va vous délivrer? La Bible dit, notre Seigneur, notre Dieu, notre Yahoua, Yeshua, il dit son yeux, son œil, il marche, il voit tout ce qui passe dans le monde. Son œil voit tout. Son yeux voit tout. Donc si tu caches ça, si tu caches ça, c'est à moi. Tu caches ça à moi, mais tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui voit tout. Il y a quelqu'un qui te voit dans ton mensonge. Il y a quelqu'un qui voit tout ce que vous faites à l'intérieur. Celui que tu viens vers lui dire que tu fais la délivrance. Votre pasteur, il vous trompe. Au lieu de vous montrer la vérité dans la parole de Yeshua, Yahoua, Amashiach, Elohim lui-même, il refuse. Aide-moi à lire Jérémie. Help me read Jeremiah 8, 20, 22. Help me read Jeremiah 8, 20, 22. Aide-moi à lire Jeremiah 8, 20, 22. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Lord. Jérémie, chapitre 8, verset 20 et 22. Uh-huh. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Ok. Je suis brisé à cause du désastre qui touche la fille de mon peuple. Je suis dans le deuil. L'affolement s'est emparé de moi. Verset 22. Il n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Le médecin, hein? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? C'est ça qu'on vient de, on vient de lire là. La résultat, c'est ça qu'on vient de lire dans le livre de Diacha. Le livre de justice. C'est ça que vous en français, c'est juste, non? Le livre de juste. Mais il a donné le nom. C'est ça qu'on vient de lire dans le livre de Juste. Il a dit quoi dans votre Bible? C'est cet nom. Je ne vais pas connaître quel nom. Quel nom c'est écrit dans votre Bible de Joshua? Ce livre, c'est Juste, non? Juste. Le livre de Juste. Alléluia. Mais dans le Google, il écrit quoi là-bas? Livre de Jasper. Dans le livre de Jasper. OK. Donc, le livre de Jasper. Dans le Google pour le français. Pour le français, non? Oui. Le livre de Jasher. J-A-S-H-E-R. Okay. Jasher. Jasher. Son cœur. Jasher. J-E. J-A-S-H-E-R. Ok. Pour le français, pour aller fouiller, pour aller chercher dans le Google. Alléluia. Cet livre, ils sont retirés tout dans la Bible. Si tu veux, tu lis à partir de chapitre 1. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, il lit avec le Saint-Esprit, étudie avec le Saint-Esprit. This book, you are studying and then study them with the Holy Spirit. It will lead you to Bible, to this Bible they give us. You will get all the informations that are retrieved and took away. Why are they not healed? You see it? Because we are stiff-necked. He said they are stiff-necked. Pourquoi mon peuple ne guérit pas? Pourquoi le physicien divin Il ne touche pas mon peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont têtus. Ils refusent la vérité. Regarde-les pas tous. Ils réclamaient qu'ils sont chrétiens. Maladie a été les détruit. Aide-moi encore, lis. Aide-moi, répète encore ça, verse 20. C'est Jérémie. Let us repeat again verse 20 of that. La moisson est passée. Uh-huh.
l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Ok, ça va. Vous avez vu, non? Ça veut dire que il y a le vent de guérison. Il y a le vent de délivrance. Il y a le vent de la puissance de Yeshua Hamasé en train de passer. Et on vient de... On est en train de rentrer dans l'été. Toujours, ta vie, ça ne change pas. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas dans l'église, va dans l'église. Quelque chose, toujours, tu es là-bas avec ton maladie. Tu es là-bas avec ta fornication, immoralité. Tu es encore chez cette monsieur et chez cette femme. Comment tu vas recevoir ta délivrance? Tu es encore dans cet adultère. L'hiver, c'est ça, donc l'hiver a été passé. Et dans ta bouche, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Comment tu penses que ça va marcher comment? Si tu lis là, qu'on vient de lire là, le livre de Joshua là, chapitre 5, lis tout, tu vas voir comment Dieu il a détruit. Regarde ça qui a. Va lire toi-même, va étudier. Go and study this book of Joshua that we study, we read now from that chapter 5 to the end. Go and see what happened. They run to the door to Noah at the end. They run. The same what Jesus Christ says in Matthew 25. The door have been locked. Va lire, tu vas voir ça que le Seigneur il a dit, ça que Yeshua Amasa qu'il a dit dans le Matthieu 25, quand ils sont venus en train de frapper la porte, c'est là-bas la porte déjà fermée. C'est ça, le Seigneur, tout son ministère sur la terre, tout ça qu'il parle, c'est dans la Bible. Our Yeshua Amasa, during his ministry on this earth, all that he is speaking is in the Bible. The wicked just remove everything. The wicked remove it so that they will wipe him out. Nobody will know who he is. That's why. They remove all his words. Everything he speaks is from the Bible. That's why they kill him. Because they wonder how everything he's speaking. Remember, in 12 years old, he was handling doctors and lawyers in the synagogue, teaching them. They were so marveled and wondered, where did this knowledge come? Why this small child of 12 years is telling us what we don't know? Rappel que on l'a tué à cause de sa sagesse. Ils sont choqués à l'âge de 12 ans. Un enfant de 12 ans, il a pris le médecin, l'avocat, le docteur, il est dans le synagogue. Trois jours à te leur enseigner la parole de Dieu. Tout ça qu'elle a de leur enseigner, c'est toutes ces choses. Ils sont retirés, le méchant, le Babylon, retiré tout dans la Bible. Pour faire quoi? Pour effacer notre Yeshua Amasia. Pour effacer tout ça qui les concerne. Que les gens ne peuvent pas les comprendre. C'est pour cela qu'ils sont changés, tout ça qui les concerne. You see, the reason they change his name, change everything that concerning him, the wicked Babylonian religion called their Christianity wipe off. They try to wipe off everything concerning Yeshua HaMashiach so that you will never know him. Because if you can know, if you can check all the word he's speaking and you find it in all these books, you will know that of sure, this really son of God. He come to show us the love and the anger and the wrath of God. Il est venu pour nous montrer l'amour et la colère de Dieu. Mais ils sont remplacés avec l'aile Dieu de l'amour, qui a l'aile Jésus, qui a levé la colère de Dieu et a été leur présenter l'amour de Dieu, que Dieu ne détruit pas. You see what the wicked world did? They removed that Yeshua HaMashiach, place their own fake God
And they are telling people, the world, that their own fake God is God of love. It doesn't kill. There is nothing like hellfire. On vous dit que il y a rien, ça qu'on appelle l'enfer. Il y a pas l'enfer, il y a rien. La grâce vous couvre. That the grace cover every one of you. Some of them will preach. I'll be telling you that once repented, it's repented forever. Once saved, is saved forever. Satanic doctrine. I will come up with that message later, one day. Satanic doctrine. Once saved, is saved forever. All the demonic doctrine. Please hold that child. Les autres viennent, on va, dis donc aussi qu'on vous prêche, on vous dit que celui qui est sauvé, il est sauvé à jamais. Celui qui est sauvé, a sauvé à jamais. Find that child biscuit and give that child. Celui qui a sauvé, il a sauvé à jamais. Tous les faux doctrines sataniques, démoniaques. Vous savez, quand tu as confessé Jésus-Christ, tu as sauvé à jamais. Il n'y a rien internellement que tu as déjà sauvé. Les peuples de Dieu ne guérissent pas. Il n'y a pas la guérison. May God help us, God deliver us. Lord, show me mercy, Lord. Lord, show me mercy, Lord. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne mon péché. Le livre de Deutéronome 32, help me read it. Deutéronome 32. Deutéronome 32, see what he told us there. Deuteronomy 32-39. Wait. We read later. Deutéronome 32, verset 39. Reconnaissez-le maintenant. Moi seul. Deuteronomy 32-39. Moi seul, je suis capable de sauver. Il n'existe pas d'autre Dieu que moi. I am the only God that can save. No any other God that exists. No one again. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. I am the one that kills and the one that gives life. C'est moi qui blesse et qui guérit. I am the one that wounds and I'm the one that heals. Qui pourrait arracher quelqu'un de ma main? Nobody can deliver anybody from my hand. Verset 40. Le bras dressé vers les cieux, je prononce le serment que voici. Aussi vrai que je suis vivant pour toujours. Verset 41. J'aiguise et je polis mon épée. Je brandis déjà la punition. Je vais tirer vengeance de mes adversaires et payer de retour ceux qui me haïssent. Thank you. Amen. I will pay vengeance to everyone that hates me. You might be saying now you don't hate God. By your attitude, we know. By your character, we know. By your behavior, we know. You even claiming that you are walking holy, but you are wicked. You hate anyone that's speaking the truth. You hate, in fact, your racist attitude against another preacher that's speaking the truth, that standing on holiness, you have already shown that you are wicked. The Bible says, among my people, I see wicked, hatred everywhere. Among my people, among my pastors, among my bishop, among all of my pastors, wickedness I see everywhere. He said, I am coming to deal with you, every one of you. That's why you cannot be healed. That's why the pastors are sick. Bishops are sick. Everyone's sick. Because you people have turned the house of God to enterprises. Il y arrive. Ma vengeance sous chacun de vous. Vous confessez que vous m'aimez, mais vous ne m'aimez pas. Vous dites que vous marchez dans la sainteté, mais il n'y a pas la sainteté dans votre vie. Tout ce que vous faites, c'est en prétence. Vous me critiquez, vous me déchirez, et vous dites que vous m'aimez. Quel amour! C'est comme ça qu'on confesse l'amour. Hypocrite.
C'est pour cela que la guérison ne vient pas. Ça que nous on demande ne vient pas. Même si ça vient, ça ne durera pas. Ça va, on va perdre ça. Pourquoi? Nous sommes hypocrites. Le pasteur ne dit pas la vérité. Pasteur hypocrite. Tous votre pasteur, ils sont fermes en maison à devenir les entreprises. Il ne dit pas la vérité parce que il dit, quand si il dit la vérité, les gens vont partir. Ce qui est intéressé, c'est prendre l'argent, prendre l'offrande, prendre les dîmes, le sacrifice, offrir des sacrifices et tout. Si on prêche comme ça, pasteur, si on prêche comme ça, les gens ils vont partir. L'église ne veut pas remplir. Le Seigneur nous a pas dit de chasser les gens, mais pour amener les gens, tu es faux, pasteur, tu es échoué. On a vu ça qu'il a dit, mais tu sais là, avec Noé. Il a dit d'aller rassembler les peuples. Non. Il a dit, va les dire ça et ça et ça. S'il peut repenter, moi aussi je vais repenter. Il n'est pas dit, va aller. Et le bateau que j'ai dit de construire, remplis ça avec les gens. Who doesn't know the word of God? Did you see? They say, Pastor, if we preach like this, people will go. The church will not full. People will not come. The word of God says we should leave them. We should leave them. We should leave them. We should not be harsh. We should not be this. We should open the door for prostitutes, for naked, everything to come in. For mami water, for banje, for babalawo, for kotiki to come in. We are all the children of God. What you are practicing is one world religion. One word religion. You see what he told Methuselah and Noah? He did not tell them to go and gather anybody for him. He said, go and announce that gospel truth to them. And when, if you read it, go on, when he told Noah to build the ark, he did not ask Noah to build that church and fill it with the ngbongbo na ngbongbo, gbogbo anyhow person. Break food there. He did not tell you that said that he said he should go and build the gigantic church to build one country, to build one city. He become church. From domot to domot, everywhere will be church. Failure you are. You don't know the word of God. Biblical illiterate. He did not tell nowhere to go and build the ark for everybody to feed there. Go and read that book of Joshua. He will explain to you how everything happened. He asked them to go and preach. If they repent, it is not. Tell them what Yeshua HaMashiach said. Tell them what Yahuwah said. Tell them what Yah said. Tell them what Elohim said. Tell them. Speak it with boldness. Speak it with wrath, with anger. Where they needed anger, speak it like that. Where the Lord got angry, speak like that. He not ask you to go and redesign it. No. Là, le Seigneur, il est en colère. Dis-le comme ça. Il n'est pas dit que quand tu l'es confronté, il faut réarranger cette parole, reprogrammer cette parole, redessiner cette parole et faire cette parole que ça les plaît. Non, il n'est pas dit ça. Il dit, Noé et Moïse, va. Dis-le. Le Seigneur, il dit. Alléluia. Aujourd'hui, là, regarde ça qu'ils sont en train de faire. L'église remplit. Le peuple de Dieu ne guérit pas. Ni la salut, ni rien. L'hiver, il a passé. Il n'y a pas la repentance. La repentance qu'on voit partout, c'est hypocrite. L'été maintenant, bientôt il va passer aussi. Il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la salut. Tout le monde réclamait qu'il connaît Jésus, faux Jésus. Everybody claiming that they know Jesus, fake Jesus. Said, go and tell them. The winter has passed. The winter is going. He said there in that Jeremiah 8, he said, no healing. No salvation. And now we are entering the summer. Summer also will pass. No healing.
no salvation. May the Lord deliver us. May the Lord show mercy. Mercy, O Lord. Mercy, O Lord. I am pleading for your mercy. Mercy, O Lord. I am pleading for your mercy. Mercy, O Lord. Mercy, O Lord. Mercy, O Lord. I am pleading for your mercy. Mercy, O Lord. I am pleading for your mercy. Mercy, O Lord. Mercy, Seigneur. Mercy, Yeshua. Je demande ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Je demande ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Amen. Il y a quelque chose aussi que je veux dire, le païen. Tous les païens et tout qui vivent dans la vie des hypocrites, pour toi, pour recevoir ta guérison, commence, après ta repentance, commence à confesser les péchés de tes parents, tes ancêtres et tout. Les péchés dans ta lien familial, que n'importe quelle personne ne doit pas te demander que c'est faux. Tu dois demander le Seigneur, prier tout le temps. Tu vois tout ça qu'on a dit de lire là, dans la Bible, il n'y a pas. Tous les vraies confessions, tu vas voir, ils sont tous demandés le péché, le pardon des péchés de les ancêtres. Donc, quelqu'un ne doit pas vous mentir et tromper. Le monde, la religion du monde, le christianisme du monde, il a tout aboli. C'est pour ça qu'ils sont enlevés tous ces livres dans la Bible. Si tu vois tous ces livres, tu vas voir que tous les peuples de Dieu, le jour que tout, quand ils confessent, ils rappellent, ils demandent le pardon des péchés de tous les ascendants. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, la Bible dit, je vais vous punir jusqu'à 4 générations le péché des parents sous les ancêtres, sous les parents, sous les ancêtres, jusqu'à les enfants pour 4 générations. Donc, le Seigneur ne s'amuse pas avec sa parole. Sa parole, c'est correct. Alléluia. So don't let any pastor be deceiving you. All this new model church, all this new model church, all this Babylon church, all this Christianity church, that this is, they will tell you that when you have confessed your sin, all things are gone. No need of all this confession of sins of your father, sins of your parents, sins of your, this is, don't mind this new world religion. If you are a pagan, if you are a hypocrite Christian, if you are hearing me now, for you to have an effective repentance and forgiveness of your sin, if you read all in the Bible, read all these books they have removed, you will see there is no confession and repentance that the Israelites or the children of God did there that they did not ask God for mercy and forgiveness of the sins of their ancestors, parents, and everything. The confession must be made completely, because the Lord says from one generation to fourth generation, he said he will visit the sins of your parents to use to deal with the children. Goes like that. So when you come and you are hearing me now, for your healing to be effective, repent from your own sin. If a Gentile, to all these Gentiles, all this hidden, all this Gentile nation, pagan nation, you have confession to make. Don't let any pastor, don't let us, this new world pastors, deceive you. Vous les païens, le pays qui ne connaît pas Dieu, hypocrite et tout, que n'importe quelle votre personne ne doit pas vous tromper. Quand vous approchez le Seigneur, quand vous voulez vraiment repentir et donner votre vie à Yeshua, à Mashiach, vous doit commencer de confesser le péché de votre parent, le péché de votre ancêtre, tout le péché de 4 générations dans votre lien, dans votre fondation. Vous devez confesser tout si vous voulez que votre repentance soit effective. On vous a dit de tromper tous les faux pasteurs que vous voyez aujourd'hui. Ils sont des pasteurs de niveau mondial et niveau religion de
mon Dieu. Que Dieu ait pitié et donne nous pardonne. Merci, oh Lord. Merci, oh Lord. We are pleading for your mercy. Merci, Yeshua. We are pleading for your mercy. Merci, Yeshua. Merci, Yeshua. Merci, Yeshua. We are pleading for your mercy. Merci, Yeshua. We are asking for your mercy. Merci, Yeshua. Merci, Yeshua. Ta miséricorde, Yeshua. Je demande ta miséricorde. Ta miséricorde, Yeshua. Ta miséricorde, Yeshua. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Yeshua Hamashiach. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Divin physician. Yeshua Hamashiach. Visite-moi ce soir, divine physician. Yeshua Hamashiach, visit me this evening. Visit me now. By your mercy. Visite-moi ce soir. Divin physician divin. Yeshua Hamashiach, visite-moi ce soir. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, visite-moi. In the mighty name of Jesus Christ, visit me this evening, Lord. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, dans vos prières. In Jesus' mighty name, we pray. Visit. Oh no, Visit. Yeshua Hamashiach, dans vos prières. Divine physician. Visit my foundation.
puisse sa fondation, puisse 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 sa fondation, puisse ton nom de Jésus Christ, puisse 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 And they run to their father. Hey, Papa, we saw some mysterious being today. They were teaching us things that are different from the commandment of God, what he taught us. Hey, Noah shouted. I thought they have gone, they have come back. Les enfants de Noé, ils sont courus, ils sont rencontrés humains qui ne sont pas humains. Faux humains que vous avez partout dans le monde aujourd'hui. Qui est dans votre famille, qui vous a dit d'apprendre ça qui est différent. Ils sont pasteurs, ils sont bishops tout, partout. Ils sont installés n'importe quoi, utilisant le nom de Yeshua Amashiach. En train de renseigner les gens, faux doctrine, faux message. Mais les gens qui sont sages, quand ils sont attendus, ils sont revenus vers les papas que, papa, ça que les gens là, on a rencontré le faux message aujourd'hui. On nous a tenté de renseigner les choses qui est différente de la Bible, qui est contre la sainteté, qui est contre le dépouillement, qui est contre toute la vérité, qui est contre tout ça que tu nous as tenté de parler. Et Noé il a crié que, oh Seigneur, ces démons ils sont venus encore. Je pense qu'ils sont finis. Oh Seigneur. Aie pitié de ma famille, aie pitié de mes enfants. Jésus dit, ah, viens, bientôt je vais partir. Si ça continue, tous les enfants là vont polluer. Il va polluer. Et la Bible dit, Noé est rentré dans la prière.
Donc, ça veut dire que la pollution là n'est pas commencée aujourd'hui. La pollution du monde partout qu'on a de voir aujourd'hui, que toi, tu ne vois pas. Sauf que tu écoutes le message comme ça, le pasteur de la vérité qui expose que celui qui est dans ta maison, c'est un démon. Celui que tu dis que ton enfant, c'est un démon. Ton mari, c'est un démon. Tu as marié un démon. Ta femme, c'est un démon. C'est une sorcellerie, c'est une sorcellerie. Il a venu dans ta vie pour faire quoi? Pour te polluer, pour te faire sortir dans le chemin que le Seigneur il t'a appelé pour marcher. Alléluia. La pollution partout. Le monde est très dangereux. Ton voisin et tout, les gens que tu dis qu'ils sont ton ami, ils sont démons qui sont en train de suivre ta vie, en train de chercher toute la possibilité pour voir que jamais tu ne peux pas faire et tu ne peux pas plaire Dieu. Alléluia. Noé est rentré dans la prière. Il a commencé d'appeler physicien divin. Intervenu dans la vie de mes enfants. Sinon, je vois comment tu as détruit le monde. Je vois comment tu as effacé ou même dans le monde à cause de la pollution. Ne fais pas la même chose sur mes enfants. Ne laissez pas que cette pollution continue. La plupart de nous, nous sommes pollués. La plupart de nous, la pollution partout. Les gens que tu communiques avec, les gens dans ta famille, tes parents peuvent être démons qui t'ont été pollués. Qui ne veulent pas que tu fulfilles la mission de Yeshua Hamashiach sur ta vie, sur cette terre. Démons partout, dans ton rêve partout, ils viennent, ils prennent le visage d'une autre personne pour venir te polluer. Ici, le danger. Le danger, tu as vu le danger. Le Seigneur dit, laissez-les grandir ensemble. Mais tout ce qui est sage parmi mes enfants, il va comprendre qui est qui. Ici, le danger. Danger, the Lord, our Yeshua, a said, leave both of them to grow together. But my own truth to them, I will give them Holy Spirit. I will give them my spirit to know who is who. They come, they won't. Pollution did not start today. Giving the children of Noah another message. Deceiving them. But the wise children cry and they seek for their father. And their father heard it and called all divine physician. Papa, don't let this happen to my children. I see how you destroy this world. I see how you wipe off this world because of pollution. Please, I am old. Don't let this happen to my children. Because if this pollution happened to them, I know you are going to destroy them. You are God that hates nonsense. See pollution everywhere. See nonsense teaching, false doctrine. See them, they remove holiness. They don't want holiness. They hate holiness. And anyone that hates holiness hates Jesus because Yeshua HaMashiach, his real name is holiness. Les gars, tout l'église partout, ils ont éliminé la sainteté, la dépouillement. Et tout ce qui a éliminé la dépouillement, la sainteté, ils détestent Yeshua HaMashiach. Ils détestent Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Satan il a essayé de changer son nom pour que les gens. Parce que l'air de Jésus ne marchait pas dans la sainteté ni par dépouillement. Donc, quand tu as enlevé ça, tu as déjà effacé Yeshua HaMashiach parce que son vrai nom, c'est la sainteté. Son vrai nom, c'est la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils ont enlevé ça pour polluer tout le monde avec un autre message. Apôtre Paul dit, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Tu as vu comment? Tu as vu que tous les gens là, ils ont commencé avec tout cet livre. Apôtre Paul, il s'est dit, another spirit, another Jesus, another gospel. For you to know that all these apostles, they read all these books. They see it. They see another spirit. They see another Jesus. They see another gospel coming into this world.
they see it. As it was in the days of Noah. As it was in the days of Enoch. As it was in the beginning. Tous les apôtres là, ils sont vus, ils sont lus tout ce livre. C'est pour ça qu'ils sont en train de crier dans les épistles. Que comme c'était au commencement, hein, ça va arriver aussi contre vous. Soyez-vous vigilants. Veillez-vous. Parce qu'il va venir. Ils sont encore là. Jean nous dit, Antichrist, Anti-Messie, Anti-Messie est déjà avec nous. Ils sont là. Ils sont là. L'église, c'est partout, rempli. Ils sont là. Mais il va sortir au milieu de nous. Ça veut dire qu'il va, il y a séparation. Il y a la parole de la vérité qui va les séparer et qu'il va aller manifester celui qu'ils sont. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Une religion mondiale. Ils sont séparés. Il va sortir, aller manifester celui qu'ils sont. Alléluia. La pollution nous a tiré à mener la maladie. La pollution. Il nous a fait de prendre Dieu comme n'importe quoi. Comme n'importe quoi. Dieu qui n'est pas, qui ne pitié pas les péchés. Non. Il est pur et purifié. Rien. Il n'y a pas une tâche. C'est ça qu'il dit que je déteste, je déteste. Il va te donner le temps. Regarde, il a donné 120 ans. 120 ans. On a été dit la vérité. Tu as endurci ton cœur. C'est l'enfer. Tu es déjà réprouvé, condamné pour la mort. Alléluia. You see how our God operates. He gave them 120 years. And in Noah, read there. He used 5,000 years or 500 years. 500 years to build the ark. 500 years to build the ark. Et Noah, il a utilisé 500 ans pour construire cette l'arche. C'est donc cet livre. Il a dit de construire doucement, doucement. Et faire l'évangile. Il a fini ça. Il a commencé de faire l'évangile pour 120 ans. Dieu, c'est Dieu de patience. Répentez-nous pour avoir ta guérison. Répentez. Our Lord is a God of patience. For divine physician to visit you and make you whole, you need total repentance. Oh Lord, my Father! Dieu, mon Père! Every yoke, in my foundation, dans ma fondation, qui me tire dans le péché, toujours, every yoke, toujours, qui me tire dans le péché. Dans les bêtises, dans la disobéissance contre la parole de Dieu. À partir de maintenant, Yeshua arise, look at every yoke in my foundation, Lord Jesus, let it be broken, break it, thank you Jesus, oh no, please, Jesus, I want prayer.
thank you, Jesus. Demons of servanthood. Demons de servitude. Demons de servitude. Demons de servitude. Demons de servitude. Dans ma fondation. Dans ma fondation. Qui gère ma fondation? Qui gère ma fondation? Qui gère ma fondation? Qui gère ma fondation? Demons de servitude. Demons de servitude. Qui gère ma fondation? Qui gère ma fondation? Qui gère ma lien familial? Qui gère mon lien familial? Every servant. Tout démon that are controlling my family, that controlling my foundation, qui contrôle ma fondation, that controlling my generation, qui contrôle ma génération. Your time is over. Ton temps est terminé. Kill it, kill it, kill it, kill it, kill it. Tout ça du bon par le feu. Qui gère, qui contrôle maladie, qui contrôle ma lien familial, qui contrôle ma génération, qui contrôle ma lien de sang, qui contrôle tout ça qui est mon frère, qui gère tout, qui contrôle, qui arrange tout, mais par le fait, kill it, by the fire, kill it, tu es dimanche. Assez, thank you, Yeshua Amasia. Thank you, Jesus. Gérer la famille, contrôle tout. Maladie, difficulté, tout. The control the family, releasing sickness and sorrow and difficulties. Everything negative. Working in the family. Jesus Christ of Nazareth. Yeshua Amasia. Noé dit non. Papa, non. Non. Parce que, vu sa vie, il a vu ça que le Seigneur a fait. Contre le péché. Noé a dit non. This cannot happen to my family, my children, no. Because, face to face, he saw what the Lord did. The Lord told him in 120 years. And that 120 years, he carried out that mission. Le Seigneur a dit 120 ans. Et après 120 ans, il n'est pas. Comme ils ont refusé de repenter, le Seigneur aussi l'a mené. Va voir. Va lire là-bas. Le Seigneur même, il a sauvé les animaux. Plus que les. Il a même utilisé les animaux pour chasser le humain. Go and read it and see. God even used animals. Animals came. He used animals to drive human beings away from that ark. He took all these things away from the Bible so that we now understand how the world of this year is. Ils ont fait toutes ces choses sorties dans la Bible et cachées parce qu'on ne fait pas que nous on connaît celui qui c'est Yeshua Hamashiach. Yah, il est. El Abraham, El Elohim, El Isaac, El signifie Dieu. Je vous déjà expliqué ici, c'est pour cela qu'il s'appelle Bethel. Beth, c'est là, la maison. El, c'est Dieu. La maison de Dieu. Alléluia. I've already explained to you, Bethel signifies house of God. Beth is house. El is God. House of God. Alléluia. Amen.
on commence à comprendre la parole de Dieu. Étude. Tu es dans l'église. Tu es là, on doit t'expliquer la Bible. Tu connais la Bible. C'est pas, tu prends la Bible dans la main, tu ne connais pas tout ce qu'elle te donne. Tu dis que tu parles à l'école biblique. Vous avez l'université partout, mais vous ne connaissez rien dans la Bible. They have Bible schools everywhere, university everywhere for school, but they don't know anything in the Bible. What they teach them there is philosophy and theology. Tell me how many people, right from Adam to John, that right Revelation. Tell me how many of them went to your Bible school. Tell me how many of them went to your theology and philosophy and Bible school. But the Lord speak to them by His Spirit. Dis-moi, votre pasteur, dis-moi depuis Adam jusqu'à John qui a écrit le livre de l'Apocalypse, combien qui a été à l'école pastorielle, théologie, philosophie. Avant de suivre le Seigneur, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui les suit. Mais aujourd'hui là, on vous a établi partout l'école pastorielle, l'école tout, mais tout votre pasteur, séminaire et tout, ne connaît rien. Ça qui est renseigné, c'est le renseignement de l'homme. Moi, j'étais là-bas, mais tout ça que j'étais renseigné aujourd'hui, si j'amenais tout le livre que j'ai utilisé pour partir à l'école, là, tu vas voir qu'il n'y a rien. Tout ça que j'étais renseigné, il n'y a rien dedans. I went to the school also. If I bring all the books I used to go to pastoral school of this thing and bring it out and show you, all what I know today that I'm teaching, nothing like that is in it. That's why let Holy Spirit go and seek the Holy Spirit. Let Him begin to speak to you and begin to teach you the truth. Thank you, Jesus. You must be healed. Tu dois guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois guérir au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. On a besoin de la guérison parce que il y a trop de pollution dans notre vie. Alléluia. Amen. We need healing because there is too much pollution in our life. The demon come to pollute the children of a holy man, a servant of God. Le démon est venu pour polluer les enfants d'un homme saint. Un homme saint, un servante de Dieu de la sainteté. Ils sont rassemblés. Regarde maintenant, non? Si le démon peut approcher les enfants de quelqu'un qui parle avec Dieu face en face. Dis-moi, tes parents, dis-moi, notre parent et notre ancêtre qui ne connaît pas Dieu, combien de démons qui est dans notre vie? Combien de démons qui est rentré dans la maison? On vous parlait de bien savoir Dieu dans l'esprit de la vérité et chercher ta délivrance. Vous dites si le démon peut approcher et un homme qui a vu la puissance de Dieu, vu sa vie, qui est la crainte de Dieu, que Dieu il dit prends le stylo, commence à écrire tout ça que je veux te dire que tu veux écrire là, il a dit d'écouter là, il commence à écrire que nous on a dit de lire aujourd'hui. Du monde, il n'est pas à paix. Ils sont approchés pour polluer ses enfants. Dis-moi, toi et moi, que notre parent et notre ancêtre, ils sont diaboliques, alcooliques, adultères, fornicateurs, menteurs, tricheurs, voleurs, polygamos. Dis-moi, are you hearing what I'm saying now? Noah entered into prayer. If demon, they don't fear Noah and his children, a holy man, a righteous man, a man that serve God and his children and everything, and they saw the power of Elohim, the power of Yeshua, the power of Yahuwah, face and face, how he wiped off the world with water. And then, this demon did not fear approaching his children to pollute his children. Tell me, you and I,
that our own fathers worship idol, Amado Abara. That is all they worship. They carry demon coming to the house. They, our fathers, they were hypocrites. Our fathers, they are idol worshippers. Our fathers are demons. Our fathers, they are idolatry. And some of us, our fathers are polygamy. All kind of marriage, divorce and remarrying, and they are still happy. My father, my mother, my this. Most of us, our mothers are prostitutes. Every evil of this world is what they practice. Our fathers, go and see those ones that are politicians, arm robbers. Some of us, our fathers are ritualists. They kill and kill and kill and kill and kill. During the time of slavery, most of us, our fathers, sell their brothers, sell everything, sell this thing. Eh? And we are talking about the demon. You are saying this. You say you accept Christ. Don't know that you need to run for your life and go for your total deliverance. On a dit de parler, tu as dit d'indiquer. Tu sais, quand l'église, il faut l'église que vous êtes allé. Plupart de vous, c'est votre parent, ils sont rituels. Ils sont tués les humains pour avoir l'argent. Et on a l'argent. Ils sont riches. Nous sommes riches. L'argent là vient comment? Va voir les politiciens. Il boit le sang des humains, il mange la chair des humains. La plupart des autres sont orcotiques et tout. Et tu sors dans cette famille. Et tu dis que tu as rencontré Jésus. Tu ne sais pas que tu dois aller dans les vraies églises, aller demander la délivrance. Aller purifier toute sa fondation par le sang de Yeshua HaMashiach. Maladie en train de détruire tout le monde. Ils ont menté partout. Au lieu d'aller demander, chercher. Physicien divin pour nous nettoyer, pour nous purifier. C'est pour cela que dans la nuit et tout, le démon continue de venir. Le démon vient pour nous purifier. Il y a quoi? That time, I have warned you. When I'm praying, when everything goes, if I see you laughing or playing, I will deal with you seriously. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Many of us need total deliverance. Even till now, most of us, our parents are still practicing this evil. Même maintenant, plupart de nous, notre parents ils sont en train de pratiquer toute cette méchante, toute cette sorcellerie. Plupart de nous, notre parents ils sont méchants. Jusqu'à maintenant, même à cette présente que tu as accepté Jésus-Christ, tes parents ils sont encore orcotiques. La pollution partout. Le maladie que tu as été de souffrir, c'est eux qui ont programmé ça sur ta vie. La plupart de nous ne savent pas qu'on nous a déjà vendu même depuis longtemps dans la famille. Tu as déjà vendu depuis longtemps. Ta gloire vendue, ta destinée vendue. Ta santé vendue. Ton mariage s'est vendu. Ton argent est déjà vendu. Tu as besoin. La physician divine, Yeshua HaMashiach, pour te guérir. Many of us, we don't know, some of us are living, we don't know that your glory has been sold in your father's family, in your father's house. Yeshua HaMashiach, Jesus can say, enemy of a man is a member of his father's house, family. Many of us, our glory has been sold away in that family. Many of us, our destiny, many of us, our marriage, many of us, our finance, many of us, our joy, our health, have been sold in that family. In that family, you need divine physician. When you come to Yeshua HaMashiach, you must know all those things. You must know all those things. Can't you very Yeshua HaMashiach dit que tu as accepté Yeshua HaMashiach, tu dois connaître toutes ces choses, comment ça lutter et combattre pour la restauration, pour la guérison divine. Que c'est à quel lui qui peut te guérir. Il n'y a que lui qui peut te restaurer. Ce n'est pas l'État. La santé que tu es en train d'aller et l'État en train de faire un changement avec l'argent d'État, tu es en train de tromper toi-même. It is not government that will heal you. Your health, you are taking to the government to go and collect money from the government and do exchange of your health, cannot heal you. Approach the divine physician for your healing and your restoration. C'est pas pour continuer de courir
courir dans les sécurités sociales et tout pour prendre l'argent de la santé que tu n'es pas bien. Ce n'est pas ça qui va te guérir. Si tu veux la guérison vraiment, cherchez Yeshua Hamashiach dans l'esprit, dans la vérité. Approche-lui avec tout ton cœur sincère et demandez-lui la guérison. Tu vas voir sa puissance sur ta vie. Oh Lord, my Father! Oh Dieu, mon Père! Oh Lord, my Father! Oh Dieu, mon Père! Heal me! Guéris-moi! 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 Dans tout endroit! Dans tout endroit! Que j'ai besoin de la guérison! Guéris-moi! 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 Oh Lord, my Father, Yeshua Messiah, Yeshua Messiah, in every area, every area of my life, every area of my life, Thank you, Jesus. Power. Attacking me in my dream. Planting evil into my dream. Qui plantait de mauvaises choses à travers de mes rêves. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Holy Spirit of God.
tu me rappelles les mauvaises choses. We worship you, Lord Jesus. We give you all glory. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Notre Père. Merci, Saint-Esprit. Oh, non, puissant de Jésus avant prière. Amen. Power! Power! Qui a en train de me séduire? La Bible dit, si tu lis concernant les enfants de Seth aussi, fils de Adam, après la mort de Adam, ils sont séduits aussi. Ils sont séduits pour commencer de mélanger avec les enfants de Caïn, qui a mené aussi le problème. Alléluia. Les filles de Caïn habillées n'importe comment, ils sont tous de tête rage et tout, séduction. Alléluia. If you read also from about the book of Adam, about Adam and Eve, after the death of Seth, the children of Seth, the children of Cain, that God separated them after the death of Seth, they begin to seduce because he have women more than. Parce que Caïn il a fait plus de filles. So ils ont commencé, they begin to seduce you, the caricaturage, everything God said, we should not, they put it, they begin to seduce the children of Seth. Demon, first of all, enter them. Remember that their father have already killed. He said, blood, all right, blood. Satan have already possessed him. Rappelle que le papa Caïn est déjà possédé d'abord par le diable. Donc la porte est déjà ouverte. C'est pour cela que nous, les parents, vous avez vu, non? Ce que votre parents ils sont faits, la porte est déjà ouverte. Attends qu'il ne passe pas sa vie Dieu, chercher Dieu, la porte est déjà ouverte pour Lucifer. So, for we to know that what our parents have done, have already opened, all the evil they have done, have already opened door for Lucifer to enter. So, the children of Cain have already been possessed. So, and that's why God separated them. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a séparé. Quand tu lis ça, tu vas voir que le Seigneur dit, je ne veux pas la relation entre Caïn, les enfants de Caïn avec les enfants de Seth. Adam, prends ta oreille. Et Adam, il a fait ça comme ça. Il a déclaré ça aussi. C'est son fils, mais il doit attendre, il doit écouter la voix de Dieu. Respecte la voix de Dieu, plus que ta famille, plus que tes enfants, plus que tout. C'est pour cela que le Seigneur a dit, celui qui aime sa famille plus que moi, il ne rentre pas dans mon royaume. I remember that Cain was son of Adam. But the Lord told him, I don't want to see Cain around you. I vanish him and put a demarcation. And that's how it should be. And that's how it is till Adam died. C'est comme ça que ça a resté la séparation jusqu'à la mort d'Adam et la mort de Seth aussi. Va lire le livre d'Adam et Eve. Chaque fois quand Seth il a vu que Seth il va crier non. Je ne peux pas les voir ici. Toi qui l'aimes ta famille plus que Dieu. Continue. On va voir celui qui parle la vérité. Si c'est Dieu qui dit la vérité, ou c'est toi, ou c'est ton pasteur. You that love your family more than God, we will see who love. He said, anyone that loves his family more than me will never enter my kingdom. You are not worthy of me. When I speak that, I said separate. After the death of Adam, and Seth also died. The children of Cain begin to seduce the children of Seth, and they fall into that trap. Après la mort de Adam, après la mort de Seth, les enfants de Caïn commencent à séduire les enfants de Seth, et ils sont tombés aussi dans cette séduction. Quel genre d'esprit qui t'a été séduit dans le rêve, mari de ni femme de ni. La femme et tout. Il vient dans ton rêve pour venir te menacer. On va faire cette dernière prière de partir. We're going to take this last prayer. Which spirit is coming to seduce you? In your dream, spirit wife, spirit husband.
commit to séduction. La femme knew et tout. Hein? Ah! Et toi, tu dois aller tuer. You must kill that power, that demon that coming to seduce you. Satan now know how to operate in the dream. Satan maintenant, il a choisi pour faire son opération dans le rêve. C'est pour cela que ne jouez pas avec ton rêve. Tu dois fâcher contre cette rêve. Tu dois crier, tu dois aller. Non, Seigneur. Assez. Pour jouer, retour dans la prière. Quelle pollution. Quelle séduction. Quelle pollution ils sont venus faire dans ma vie. Non. Seigneur, je refuse de rejeter. Oh Lord, my Father. Oh Dieu, mon Père. Oh Lord, my Father. Oh Dieu, mon Père. Toute séduction satanique. Dans mon rêve. Physique et spirituel. Puissant dans le sang de Jésus-Christ. Rappelez. Thank you, Jesus. Rappelez. Oh non. Puissant de Jésus à vos prières. Je déclare sur notre vie. Toutes plantations de ténèbres, ils sont plantés. Toutes les transactions, tous les commerces, tout ça qu'ils sont en train de faire, ils sont faits dans notre vie ou plantés, qui les donne la connexion pour qu'on tout de nous séduit. Aujourd'hui, là, je rompe tout au nom de Jésus-Christ. Que tout soit rompu au nom de Jésus-Christ. I rubbish every of their plantation. Every demonic plantation. Every witchcraft plantation. All their transaction. All their investment they carry out in our life. The deposit in our life. That give them connection to continue to seduce us physically and spiritually. I command them all to be rubbish right now by fire. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. As Noah prayed that prayer, and the Lord intervened, I speak. Quand tu lis, tu vas voir que après la prière de Noé, ils sont pères de Noé. Ils sont maintenant partis demander Dieu. Que quand même. Et l'autre, les autres, les enfants de Noé, on va les laisser. Mais les autres, habitants de la terre, donnent la permission. Alléluia. Mais après, ils ont aussi attrapé les enfants de Noé. Que donne elle au Jésus-Christ. Remember, if you read it very well, you will see that they now, after the prayer of Noé, they now live. No, we now ask God permission to handle other habitants of the earth. And they handle them. But at the end, also they also get the children of Noah. I pray today. Every future plan of Satan as agent against us be rubbish by fire. Amen. 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 In the name of Jesus Christ. Amen. Against our children, against our home, Amen. Against our household. Amen. Be rubbish. They declare aujourd'hui the prayer. Que tout plan foutu de l'ennemi, tous les plans foutus contre nous, contre nos enfants, contre nos familles, contre notre église, comme MFN tout. Papa, que tout soit rompu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout soit rompu au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Que rompu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que rompu au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Que les plans soient frustrés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, ma voix prière. Amen. Commence à remercier Dieu.
Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Que ta guérison reste permanente. La guérison, pour marcher, pour récupérer tout ce qui t'appartient. Ta santé, ta joie, ton mariage. Ta santé. Ta salut. La vie saine dans le Seigneur. Papa, thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Marchez dans l'obéissance. Marchez dans la sainteté. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les autres qui réclament qu'ils sont chrétiens. Laissez-les. Nous sommes maintenant, c'est la séparation. C'est le temps de séparation que nous sommes. Le Seigneur, je vous ai déjà dit, le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde là. 25% seulement des populations du monde appartiennent à Dieu. 75%, c'est pour Satan. Tu es dans quel groupe? I have told us, the Lord have only 25% of the population of the earth. 75% belongs to Satan. Lucifer, where are you? Where do you belong to? I have told you. It is the parable of the sower. 4 acres of land. You see what happened? He have only one among the 4 acres. Alléluia. C'est le parabole de le sommet. Quatre de sommet. Il y a 4 terres. Parmi les 4 terres là, qui est le 4 points du monde, il n'y a que N seulement. N. Le toit K. À terre de Lucifer. Il n'y a que N. Donc, divisez ça par 100. 25. Donc, il a seulement 25. Donc, if you divide that 4 land. 4 land into 100, 25 to 25, then 25% only is what he got. 75, Lucifer. May the Lord deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus Christ. Amen. Il y a quelque chose que je vais déjà expliquer ça, je vais lire encore ça pour nous pour comprendre. Il a dit, la façon qu'il a dit, il nous a fait comprendre. Toi qui es en train d'aller dans le pharmacie, en train de chercher toi qui dépends sur le médecin de cette monde, fais attention. Je n'ai pas dit ne bois pas, mais fais attention. Il faut connaître Yeshua pour sanctifier tout ça que tu voulais boire. You that depend on medication of this world. Instead of you to go and look for Yeshua HaMashiach, be very, very careful. Very, very careful. Both fancy cure, whether fancy cure, whether doliprane, whether paracetamol, whatever it is, be very careful. Soit c'est doliprane, soit c'est paracetamol, n'importe quoi. He said the medication sold in the pharmacies have their own. These demons have their own, which make them to be renewed. It make them to be renewed. They use most of the medicament. You see people lining up to buy this. Demons are them. They use it to renew and continue their evil deed against human beings. Et le médicament vendu dans le pharmacie et tout, c'est pour plupart de cet médicament, plupart la majorité de cet médicament partient des démons. Ils utilisent ça pour innover les vies spirituellement. Que tu ne sais pas, que vous avez dû aller prendre la ligne et rester là-bas. Alléluia. Ils ont fabriqué tous ces médicaments, c'est pour utiliser pour continuer de détruire le corps et le sang et l'ADN de vrais enfants de Dieu, les enfants d'Adam. Savoir que nous sommes deux qui sont dans le monde là, ici, pour détruire l'ADN, pour effacer tous les médicaments que vous allez prendre n'importe comment. Pay attention. You see what he says. He said, most of these medications that you are taking, the demon Satan fabricate it. They are all sold everywhere. Majority, 99% are sold there to use to destroy the true DNA of the true children of God, children of Adam that are supposed to repent. They use it to wipe off their DNA from the system of the Most High God. There are demons that are selling it everywhere. Satan are operating everywhere to pollute the whole world, to destroy everywhere.
Satan a dit de travailler très fort, a dit de polluer toutes choses pour détruire tout le monde. Pour voir que tout chair s'est corrompu. Mais toi, dans la prière, le Seigneur est la puissance. Cherchez les vraies églises, sortez dans votre église des romantiques. L'église de Dieu, c'est le Dieu de l'amour. Il nous a dit prêcher l'amour. L'amour de Dieu. Votre pasteur ne prêche pas l'amour. Il est trop agressif. Yes, il doit être agressif. Si ton papa Lucifer, il n'est pas agressif. Lucifer que je connais, que mon Seigneur Yeshua Amasya m'a montré, il est méchant, agressif. Donc c'est pour cela que tout ça que Yeshua il a appelé pour être soldat. Soldat, ils sont agressifs dans la guerre. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Levez-nous. Let us rise up. Thank you, Jesus. Commencez de remercier Dieu. Thank the Lord. Thank him for today. Thank you, Jesus.